Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence concernant l'alternance mode d'emploi. Donc, mon nom est Christine Horvat et je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole pour la délégation de Saint-Étienne au service apprentissage. Ma mission a pour but de promouvoir l'apprentissage auprès des entreprises, des jeunes, des familles, des acteurs de l'emploi et de l'orientation. Vous n'entendez pas? Pardonnez-nous pour... Vous entendez mieux? Oui, ok. Parfait. Donc, nous vous invitons lors de cette présentation à prendre la parole. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Guillemette Malfroy, je suis secrétaire générale d'un centre administratif. Si on vous parle du poids de l'apprentissage dans le Rhône. Donc, il y a plus de 12 400 apprentis dans le Rhône. Ces apprentis sont en grande majorité au niveau du CAP et du Bac Pro, donc des niveaux 5 et 4, si ça vous parle. Et 33 des apprentis, donc le reste, sont à partir du BTS et au-delà, les Bac plus 5, et diplôme d'ingénieur par exemple. Donc vous avez le tableau et puis le camembert qui vous illustre ça. Donc il y a quand même beaucoup d'apprentis qui sont en production. Donc ça va être aussi un peu l'artisanat, hein, les services, toutes les entreprises qui interviennent au service d'autres entreprises au service dans les secteurs sanitaires et sociaux, par exemple, aussi. Et puis, 1% qu'on ne sait pas très bien classé, mais bon, voilà. L'essentiel, c'est donc tout de même dans la production ou des entreprises de production, mais pas forcément d'ailleurs quand même dans des métiers de production. On a fait aussi des statistiques concernant l'apprentissage dans la Loire pour vous donner un ordre d'idée. On reprend là aussi l'activité des services commerce à 51%, CMA 40% et l'agriculture 0,9%. Donc l'alternance objectif entreprise. Alors, alternance, bien sûr, ça parle de soi, hein, on alterne entre la formation et l'expérience en entreprise. On vous le présente, alors c'est à la fois se former sur les théories, sur un référentiel de diplôme, qu'en apprentissage on doit impérativement passer. En contrat de professionnalisation, c'est déjà un petit peu moins le cas, mais ça l'est quand même de plus en plus. Donc, on suit sa formation théorique dans un établissement de formation avec un référentiel qui est le même que les personnes qui le présentent, enfin, qui le préparent en scolaire. Et puis, on a une expérience en entreprise qui permet d'appliquer et d'illustrer tout ce qu'on apprend en cours, de le mettre en pratique dans la vie professionnelle. J'allais dire dans la vraie vie. C'est presque ça. Cette expérience, donc, elle est enrichissante, elle est à la fois enrichissante et exigeante, parce que non seulement vous allez avoir à vous adapter à aux cours qui vous sont dispensés, et vous aurez aussi l'obligation d'intégrer ce qu'on vous apprend, c'est-à-dire préparer les cours, les apprendre, faire les exercices qui vont avec, et également vous intégrer dans une entreprise, donner satisfaction sur des objectifs qui vous seront fixés. Donc il y a une double exigence dans l'alternance, et c'est pas une voie de facilité. Très intéressante, mais pas une voie de facilité. Et puis on vous précise donc que bien sûr c'est un statut de salarié. Vous êtes un salarié en formation avec des droits, mais aussi avec des obligations. L'objectif étant bien d'obtenir un diplôme en se formant à la fois sur la théorie et sur la pratique. Alors ce que vous devez savoir, c'est que par rapport à la formation initiale,
vous avez exactement, au vu de l'éducation nationale, le même diplôme à l'issue de la formation. Donc, vous n'avez pas de vacances, hein, vous êtes sur un statut de salarié, donc il y aura 5 semaines de vacances, mais vous aurez l'expérience qui est fort appréciée des entreprises, puisque quand on est en rendez-vous, on s'aperçoit que c'est une nouvelle forme de recrutement pour l'instant, puisque la première question des dirigeants des recruteurs, si vous êtes déjà confronté à une recherche d'emploi, c'est « avez-vous de l'expérience ?» Donc, avec l'alternance, on indique tout de suite, et c'est apprécié aussi sur un deuxième axe, c'est le principe d'avoir 2 années où l'entrepreneur peut travailler avec cette personne, avec la personne, et voir si elle s'intègre dans l'équipe. Donc, c'est un nouveau mode de recrutement et c'est très, très apprécié donc, des entreprises. Alors, on vous parlait d'un contrat de travail, c'est un vrai contrat de travail, c'est un contrat à durée déterminée le plus souvent. Ça peut être aussi une période d'apprentissage sur un contrat à durée indéterminée, c'est beaucoup plus rare. Dans ce contrat, il y a une période qui est assimilée à une période d'essai. Pendant 2 mois, vous avez la possibilité de, que ce soit l'entreprise ou l'apprenti, ou l'alternant, vous avez la possibilité de vous dire, eh bien, je me suis trompé d'entreprise, je me suis trompé de diplôme, je me suis trompé de voie. Donc, pendant ces 2 mois, vous avez la possibilité de vous séparer d'un commun accord, enfin, non, même pas d'un commun accord d'ailleurs, d'un librement. En revanche, donc le petit logo qui est barré en rouge, il n'est pas possible de démissionner ensuite. Donc, si vous signez un contrat d'apprentissage de 2 ans, de 3 ans pour les ingénieurs, par exemple, eh bien, vous êtes obligé soit d'aller au bout, éventuellement, soit de vous entendre avec votre employeur et de faire une rupture à l'amiable. Mais cette obligation d'aller jusqu'au bout, elle est autant pour l'alternant que pour l'entreprise, il faut le savoir. Et puis, il y a les CFA et les organismes de formation sont très attentifs au fait que vous soyez bien intégré dans l'entreprise, que les missions qu'on vous confie soient bien conformes à ce que le référentiel exige. Et s'il y a un souci, les suivis qui sont faits en entreprise permettent de détecter éventuellement des problèmes que vous pourriez rencontrer. Soit on vous aide à les résoudre, soit on vous aide à faire cette rupture le mieux possible et à retrouver une entreprise à la suite. Le tout, c'est d'en avoir envie aussi, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quelques ruptures dans les contrats d'alternance et parfois, il n'y a pas la volonté non plus de l'alternant de recommencer ou de continuer plutôt. Hein. S'il estime qu'il s'est trompé de métier, trop connu de diplôme, trop compliqué, là, effectivement, il y a un abandon et il faut à ce moment-là, l'année suivante, se remettre en recherche d'une orientation. On parlera tout à l'heure de la suite logique pour arriver là, qui vous permet éventuellement d'être un petit peu sûr de ne pas vous tromper. En tout cas, sûr d'avoir fait ce qu'il fallait pour que les erreurs d'aiguillage soient les moins nombreuses possibles. Donc, ce contrat de travail, il désigne un maître d'apprentissage ou un tuteur pour les contrats de professionnalisation. Cette personne est dans l'entreprise, c'est un salarié de l'entreprise comme vous. C'est une personne qui doit exercer le même métier que vous avec un certain nombre de diplômes ou d'expériences professionnelles qui correspondent aux diplômes que vous préparez et qui doit vous aider à vous intégrer dans l'entreprise, mais surtout à apprendre. Alors les gestes, s'il s'agit d'un métier à gestes, mais qui doit vous apprendre aussi les codes de l'entreprise et l'attitude à avoir en entreprise vis-à-vis des objectifs qu'on va vous fixer. Ou de vous former, l'entreprise et le chef d'entreprise vous accordent du temps et en échange, vous lui apportez aussi de la main d'œuvre. Donc, on est plus dans une idée d'optimiser pour les deux qu'autre chose. Alors, par rapport à ces courbes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt celle de l'apprentissage que celle du contrat de pro. Et que, en cours d'année, si votre âge vous positionne dans une autre fourchette, donc vous changez de courbe. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de conventions collectives qui prévoient des salaires supérieurs au SMIC sur certains postes. Donc,
c'est vraiment, on vous dit ça à titre indicatif, mais il y a beaucoup d'exceptions. Ça peut être que plus, mais pas moins. Oui, c'est vrai qu'à partir du moment où vous aurez fait votre choix de vous former par la voie de l'alternance sur le support du contrat d'apprentissage, il faudra vous renseigner auprès de l'entreprise pour savoir si effectivement il y a des conventions collectives et vérifier, vous, le mode de rémunération qui sera appliqué. Alors, si on fait un petit parallèle entre les deux contrats possibles, quand on parle d'alternance, donc c'est ce que je vous disais en préambule, il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, ils se ressemblent beaucoup. Ils ont, je ne sais pas si on l'a mis là, mais ils ont une différence essentielle pour l'entreprise, c'est le financement de la formation. Alors, pour les jeunes, quoi qu'il arrive, que ce soit l'un ou l'autre, vous ne payez pas votre formation. Votre formation, elle est payée par l'entreprise. Pour le contrat d'apprentissage, il s'agit de la taxe d'apprentissage de l'entreprise et pour le contrat de professionnalisation, c'est sur une autre ligne budgétaire, donc c'est sur le plan de formation, mais sur l'organisme collecteur. Voilà. Donc les contrats d'apprentissage peuvent aller de 1 an à 3 ans. Il y a des conditions pour qu'ils puissent être modulés avec une année supplémentaire pour des travailleurs handicapés. Il y a également la possibilité de redoubler sa dernière année, mais on ne s'est jamais recommandé. Les contrats de professionnalisation, eux, sont de 6 à 12 mois et 24 mois éventuellement dans certaines branches et certaines conventions collectives. Le lieu de la formation, c'est un CFA pour le contrat d'apprentissage, ce qui veut dire centre de formation d'apprentis. Et pour le contrat de professionnalisation, là, on est sur un organisme quel qu'il soit. Ça peut même être un lycée, un Greta, il n'y a pas de... du moment que c'est un organisme de formation. Qui est-ce qui rédige le contrat ou du moins qui enregistre le contrat? Donc, les chambres consulaires qu'on vous a présentées tout à l'heure, les trois chambres consulaires, enregistrent votre contrat. Et les directs, si vous êtes la direction de l'emploi... de la concurrence, du commerce, voilà, la directe, pour tout ce qui est fonction publique, donc certains employeurs donc, du public. Et le contrat est enregistré, ou en tout cas visé par les OPCA en cas de contrat de professionnalisation. Forcément en apprentissage, et c'est un impératif absolu dans la législation, vous devez avoir l'objectif de passer un diplôme. Il y a un diplôme reconnu, alors je vais donner une indication qui ne vous dira peut-être rien, mais il doit être inscrit au RNCP, c'est-à-dire au Registre National des titres et diplômes. Donc tous les titres de l'éducation nationale, bien sûr, le sont, donc du CAP en passant par le BAC ou BTS, tous les diplômes universitaires, les licences, les maîtrises, les titres d'ingénieur également. Mais il y a également ce qu'on appelle des titres certifiés ou des titres homologués qui sont reconnus sur ce registre et qui, que vous connaissez peut-être moins, mais qui sont très professionnalisants et qui sont mis en place très souvent par une branche précise et qui répondent vraiment à des besoins professionnels très pointus. Et pour obtenir le contrat de professionnalisation, lui, reste sur une qualification professionnelle. Certaines conventions collectives exigent un petit peu un diplôme, mais ce n'est pas inscrit dans la loi. Pour le public concerné, les jeunes de 16 à 25 ans, il y a des dérogations, donc principalement pour les travailleurs handicapés, mais également pour les créateurs d'entreprises qui peuvent déroger à cette limite d'âge, en tout cas au-delà des 25. Et pour les contrats de professionnalisation, donc la différence, c'est que les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans peuvent y avoir droit dans certaines conditions. Bien, donc on a voulu vous représenter le parcours de votre cursus en alternance, surtout pour schématiser les passerelles possibles entre les différentes voies d'orientation. Notamment, ce qu'il faut noter, c'est qu'à partir de la troisième, vous pouvez envisager un parcours par la voie de l'alternance
jusqu'à un niveau de master. Vous pouvez vous découvrir aussi au départ en ayant envie de viser un bac professionnel, mais comme le support est très intéressant en étant une partie en cours et une partie en entreprise, vous pouvez vous découvrir à vouloir prolonger donc vos études et aller sur des niveaux supérieurs. Est-ce que vous avez des questions par rapport au parcours? Oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, il faut seulement qu'il ait, alors sauf erreur de ma part, 15 ans, il faut qu'il ait terminé la classe de 3e et qu'il ait 15 ans avant le 31 décembre. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose comme ça. Oui, ce sont des cas particuliers, mais... Est-ce qu'avec un bac général, on peut envisager de faire un BTS en alternance? Tout à fait. Absolument. D'ailleurs, ça ne se voit pas bien dans les couleurs. Non, alors, oui, peut-être, mais... Le problème, c'est que vous avez tous les diplômes là, qui sont possibles à partir de la classe de 3e. La colonne la plus à gauche, tout ce qui est général, ne se prépare pas en apprentissage. Hein. En revanche, on peut sortir d'un bac général avec un bac S, un bac ES, et s'orienter vers un BTS qui, lui, peut être en alternance. Alors, alternance, parce que l'apprentissage, tous les BTS ne sont pas en apprentissage. C'est un petit peu ça lequel, mais sinon, oui, bien sûr. Et alors, la formation, on l'a fait dans un CFA? Oui, on l'a fait dans un CFA. Il y a des CFA de branche qui ont si on pense au CFA de la métallurgie, ils ont leurs propres locaux, leurs propres ateliers. Enfin, et c'est bien dans leurs locaux que se préparent les formations. Par exemple, pour vous parler de notre cas, donc on est un CFA interprofessionnel. On est un CFA hors mur. Donc les formations, elles ont lieu dans des lycées ou dans des organismes de formation qui ne sont pas directement chez nous, mais nous sommes les organisateurs de tout ça, les animateurs de l'organisation de la formation. Voilà, et nous avons donc une brochure que je vous invite à consulter et à demander donc pendant l'événement de l'orientation. Vous avez en Rhône-Alpes tous les centres de formation, d'apprentissage qui sont répertoriés. C'est très bien fait parce que c'est à la fois par formation et à la fois par secteur géographique. Donc vous avez en rez-de-chaussée ces brochures qui sont à votre disposition. Sinon, demandez à ce qu'on vous communique le lien pour les consulter par le net, sur le site de la région. Oui. Alors, on va dérouler le PowerPoint parce que après on vous explique comment faire. Vous pourriez rechercher un CFA en ayant déjà votre entreprise et l'idée de votre diplôme. C'est pas impossible. Le CFA est organisé pour vous aider. Il y a d'autres possibilités. Les CCI vous proposent des mercredis de l'apprentissage, par exemple. Vous proposent la bourse de l'emploi, la bourse de l'alternance, elle s'appelle exactement. Voilà, après, mais si vous avez déjà votre entreprise ou si vous avez les moyens de la trouver par vous-même, il n'y a aucun souci, non, au contraire. Donc, pour rechercher donc, votre entreprise, vous devez d'abord préparer votre candidature, réaliser un CV et une lettre de motivation. Bien évidemment, faites attention aux fautes d'orthographe. Ce que j'ai envie de vous dire, de préciser sur le CV, c'est de porter donc à la connaissance du recruteur le fait que vous êtes en recherche d'une entreprise pour une formation par la voie de l'alternance. Parce que le recruteur ne sait pas si vous cherchez un poste permanent ou si vous cherchez une formation. Et puis, vous organisez donc vos recherches d'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est un véritable travail. Il faut donc les solliciter, il vous faut lister les entreprises, il vous faut les contacter et puis noter que vous avez contacté telle entreprise, qu'on vous a demandé de rappeler à tel moment. Et notre conseil, c'est que tant que vous n'êtes pas fixé, vous relancez et allez au-delà des barrages parce qu'il y en a quelques fois, on vous dit que les personnes ne sont pas disponibles. Vous êtes en droit d'obtenir une réponse.
Alors, donc quand on organise sa recherche d'emploi, c'est presque d'ailleurs après la période où on recherche son orientation. Hein, faut déjà savoir ce qu'on a envie de faire comme métier. Il faut déjà avoir une idée un peu précise du diplôme qu'on a envie de préparer. Donc, on fait une sélection d'entreprises qui nous paraissent correspondre et qui doivent pouvoir proposer des postes correspondant aux métiers concernés. L'idéal, c'est toujours de chercher chez soi. Si le CFA doit être vers chez vous, ben, autant que l'entreprise le soit aussi. Quelquefois, on est obligé d'aller faire sa formation à l'autre bout de la France parce qu'il n'y a qu'une licence dans le domaine qui vous intéresse. Auquel cas, il faut réfléchir. Est-ce que l'entreprise, je la recherche vers le lieu de formation ou est-ce que je privilégie le fait de pouvoir revenir chez moi d'avoir un port d'attache familial? C'est un choix et c'est tout à fait respectable. Donc, on se prépare une liste d'entreprises possibles et on essaye d'avoir le plus de noms possibles aussi. Donc, il ne faut pas négliger le fait que votre réseau, le réseau des amis de vos parents, de vos connaissances, des gens que vous avez pu croiser en stage aussi, peuvent vous donner des indications, même si eux, vous savez très bien qu'ils n'ont pas la possibilité de vous proposer ce poste que vous recherchez, ils peuvent quand même avoir, la possibilité de vous ouvrir un petit peu leur carnet d'adresses et vous ouvrir leur réseau. Il ne faut pas hésiter à se présenter directement à l'entreprise. Alors évidemment, on reste raisonnable, c'est-à-dire les entreprises qui commencent à avoir un poste de garde avec dépôt de la carte d'identité à l'accueil. Bon, alors, c'est difficile de rencontrer quelqu'un comme ça au pied levé, mais il y a des métiers dans lesquels c'est parfaitement acceptable, tout ce qui est commerce, tout ce qui est la cuisine, la boulangerie, tout ça, c'est des gens qui peuvent vous accueillir directement, mais voilà, il faut sélectionner quand même l'entreprise chez qui on fait ça. Et puis, on vous a mis des petits logos barrés, alors il faut éviter de rentrer avec des lunettes de soleil, des écouteurs avec la musique branchée à fond et la casquette. Il vaut mieux se présenter de manière soft. Oui, il faut soigner votre présentation. Pardon, les obligations de l'employeur. Donc, l'employeur est tenu donc d'assurer votre formation et de s'inscrire dans le cahier des charges de votre formation. Théorique en centre de formation pour apprentis et pratique sur site dans l'entreprise. Vous aurez un référent qui est le maître d'apprentissage, qui est partie du dispositif et qui est désigné. Ce maître d'apprentissage, vous devrez communiquer avec lui pour tout ce qui vous convient. S'il ne vous convient pas, il est à votre écoute et il est là pour vous apporter des solutions. Il coordonne la formation avec le CFA. Alors, je reviens sur le maître d'apprentissage parce que très souvent, je rencontre des jeunes qui me disent ne pas oser prendre la parole. Il y a une forme de timidité qui est bien légitime parce qu'ils arrivent dans une équipe qui est existante et c'est très souvent leur première expérience du travail. Donc, n'hésitez pas à demander, à parler à la personne pour vous justement être en bonne condition de travail quand vous vous rendez sur le lieu. L'entreprise doit bien évidemment vous transmettre les savoir-faire du métier. Donc là aussi, au niveau de l'apprentissage, c'est très souvent un motif de recrutement pour les employeurs concernant des départs à la retraite où ils souhaitent constituer des binômes entre le jeune qui arrive et le senior qui va partir à la retraite et qui est en pleine connaissance des savoir-faire de l'entreprise. Vous devez respecter la réglementation du travail, temps d'arrivée, les horaires, temps de travail, pause déjeuner. Et l'entreprise donc doit également évaluer votre progression tout au long de votre formation. Parfois même, ils participent à l'évaluation finale au niveau des notes qui vont décider si vous obtenez votre diplôme ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, alors, l'idéal, c'est le maître d'apprentissage qui se propose. Quel que soit son âge, il aura un œil
indulgent. Et puis souvent, c'est vraiment le souhait de transmettre son métier. Donc, bon, ça gère pas trop mal. Hein, c'est, voilà. Après, bah, il y a certaines fois des conflits, hein, c'est sûr. Et justement, le CFA assure un suivi qui permet de calmer un petit peu, de calmer les choses. Et voilà. Le maître d'apprentissage aussi suit une formation de quelques jours. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que je voulais apporter. Le maître d'apprentissage suit une formation justement pour savoir accueillir, encadrer le jeune et l'intégrer dans l'équipe de travail et le former. Les obligations de l'apprenti, dans le pendant des obligations de l'entreprise. Donc évidemment, c'est de suivre les règles de l'entreprise puisqu'il est salarié. Il doit être impérativement assidu tant en entreprise qu'en CFA. Lorsqu'il est absent en formation, il est considéré comme étant absent à l'entreprise, dans l'entreprise. Donc forcément, il doit y avoir un justificatif comme tous les salariés. Un arrêt maladie, enfin, en tout cas, il doit présenter un justificatif. Il doit appliquer les consignes, respecter le règlement intérieur de l'entreprise, mais également du CFA. Il doit effectuer les missions qui lui sont confiées en essayant de respecter le plus possible les objectifs qui lui sont fixés. Et impérativement, là aussi, il n'y a pas de dérogation possible, il doit se présenter aux examens. Donc, en conclusion, vous devez déterminer et valider votre projet professionnel pour choisir un métier et la formation et obtenir le diplôme qui lui correspond. Puisqu'on est sur une formation par la voie de l'alternance, il est impératif donc d'avoir une entreprise puisque vous ne pourrez pas valider votre projet de formation si vous n'avez pas d'entreprise. Et vous devez également donc identifier le centre de formation qui correspondra donc à votre orientation. Alors toujours, je vous reparle de ce guide de l'apprentissage qui est très bien fait, qui vous permet sur Internet de travailler avec des filtres pour affiner votre recherche tant au niveau des formations que du secteur géographique. Alors, et le site fait également état de, vous l'avez également au niveau national. Donc ensuite, l'entreprise contacte la chambre consulaire dont il dépend pour l'édition du contrat d'apprentissage et l'encadrement administratif. Vous signez votre contrat et vous pouvez commencer donc votre alternance pour une année, deux années ou trois. Vous pouvez commencer votre alternance un peu avant, sachant que les formations en CFA débutent en septembre. Souvent en septembre, vous avez la possibilité, donc à la demande de l'entreprise, de commencer avant, trois mois avant le début de cette formation de septembre et trois mois après la fin de votre formation. Très souvent, on a des entreprises qui optent pour cette version-là. Ça leur permet de prendre connaissance de la personnalité donc, du jeune et aussi de gérer leur départ en congé du personnel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en CFA particulièrement, hein, les places sont limitées. On est agréé par la région qui nous ouvre des formations avec un nombre d'apprentis possibles. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines formations, c'est les premiers qui ont leur contrat qui peuvent intégrer la formation. Après, il y a des formations pour lesquelles ça va un petit peu moins vite, donc la rentrée a lieu. Il y a possibilité d'intégrer le CFA, mais le problème, c'est que si la formation a lieu en deux ans, on ne peut les conserver sans contrat qu'un an. Donc sur un BTS, c'est extrêmement dangereux. Après, il peut y avoir aussi la possibilité d'intégrer la formation trois mois après le démarrage des cours. Alors, nous, on essaye de mettre en place des choses pour que il y a un certain rattrapage qui se fasse, mais en trois mois, il se passe beaucoup de choses. On a un certain nombre de jeunes qui arrivent un petit peu en retard, mais
voilà, ça dépend terriblement des formations. Il y en a qui sont très demandées et pour lesquelles tout le monde est en place. Je vais dire tous les contrats sont signés au 15 juillet. Donc tout dépend. Il faut. L'idéal, c'est alors si on veut en conclusion, c'est vraiment de commencer par se poser la question de savoir quel métier j'ai envie de faire et quelle est ma voie, quelle est mon orientation. Donc vous êtes bien ici pour faire ça, puisque c'est la nuit de l'orientation. Et une fois qu'on a décidé ça, et bien c'est de chercher en parallèle quel est le CFA qui va préparer la bonne formation, qui va me conduire à ce métier, tout en cherchant l'entreprise. Mais en sachant qu'on n'est pas obligé de chercher tout seul, on peut trouver et avoir déjà son entreprise, mais on n'est pas obligé de chercher tout seul. Il y a plein d'organismes qui sont là pour vous aider. Je crois que même Pôle emploi aussi va mettre des choses en place pour que les alternants puissent consulter des offres qu'ils pourront afficher dans leur... c'est plutôt sur des sites, hein, mais... donc, vous voyez, entre les chambres de métier, les CFA sont là aussi pour ça. Nous on collecte, on a des entreprises qu'on connaît bien, qui reviennent chaque année, qui ont toujours des postes à nous proposer. En plus, en tant que CFA sans mur, nous, on a également les équipes des établissements qui ont des jeunes en stage, qui rencontrent beaucoup d'entreprises. Et du coup, il y a vraiment à chercher, à glaner des infos vraiment dans beaucoup de directions. En revanche, il ne faut pas le négliger, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un vrai travail. Voilà, il ne faut pas se décourager, il faut, à partir du moment où on a décidé qu'on allait faire ça, il faut vraiment tout mettre en place pour consacrer un petit peu de temps chaque semaine à envoyer des CV, à relancer par téléphone, à aller voir les gens. C'est vraiment... et il ne faut pas se décourager. Et il faut se faire aider. Et je pense qu'on peut l'assimiler à une réelle recherche d'emploi. Donc, on a des outils pour ça que les chambres de commerce mettent à votre disposition. Pour répondre aussi à votre question, monsieur. Donc, vous avez les salons de l'alternance. Je vous invite à prendre note donc, de ces dates parce que lors de ces salons, vous avez des entreprises qui vous proposent des contrats d'alternance. Donc 11 et 12 mars, vous avez le Mondial des métiers, les forums et journées chrono de l'alternance. Donc là, il faut consulter de manière régulière le site internet de la CCI Lyon Métropole qui va vous tenir informé de ces journées. Les dating emploi, où il y a des rapprochements candidats, entreprises et des pré-recrutements. Nous avons aussi des réunions collectives qui s'appellent les mercredis d'apprentissage qui reprennent sur la même présentation qu'aujourd'hui les principes de l'apprentissage. Et notamment pour rechercher donc un employeur, je vous invite vivement à vous inscrire sur ce site qui est la bourse de l'apprentissage. Alors, je vous présente cet onglet-là. Il faut vous le procurer à l'accueil, à l'entrée. Vous avez des personnes qui sont en mesure de vous le communiquer. Donc, c'est une bourse de l'apprentissage qui fonctionne sur deux axes. On a d'un côté l'axe entreprise. Donc, toutes les entreprises qui sont en recherche d'apprentis déposent leur proposition d'offre. Et l'autre axe qui est l'axe donc, des candidats qui déposent leur CV et leur demande de recherche. Le rapprochement n'est pas automatique. Vous devez consulter régulièrement parce que les entreprises, c'est complètement aléatoire. On a des entreprises qui commencent pour la rentrée 2016 à mettre des offres en ligne, on va dire au mois d'avril. D'autres qui vont en mettre au mois de mars. D'autres qui vont en mettre au mois de septembre parce qu'il y a une incertitude. Ça va être une connaissance d'un salarié. En arrêt maladie et pour essayer de pallier, ou la décision n'aurait pas été prise avant pour d'autres problèmes d'ajustement de budget, ou complètement anticipé pour accompagner un départ à la retraite. Tout ça pour vous dire que c'est un site qu'il faut consulter régulièrement, il est vivant, et c'est un outil que l'on souhaite absolument élargir en mode de recrutement à tout le territoire. Donc, nous, la première chose qu'on demande auprès des entreprises, c'est de consulter ce site aussi pour pouvoir consulter les CV. Donc, on est à l'ère du numérique et on a eu des retours très positifs sur cet outil. Donc, prenez vraiment le petit onglet à l'accueil. Alors, tous ces,
tout ce qu'on vient de vous présenter, ça concerne la CCI. Il faut, pour les métiers qui sont plus orientés vers l'artisanat, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de la chambre de métiers, parce que justement, eux, ils ont un petit peu les mêmes propositions, mais dans des métiers qui correspondent plus à ces métiers de l'artisanat. Le salon de l'apprentissage et de l'alternance des 11 et 12 mars, effectivement, il y a une présence d'entreprises sur les stands, mais il y a également deux demi-journées de job dating, donc il ne faut pas hésiter là aussi à éventuellement s'inscrire sur le site et rencontrer les entreprises qui seront présentes. Alors, lorsque vous vous rendez à ces salons, prenez vos CV, parce que le papier fonctionne encore, et ça restera la piste de travail donc pour l'entreprise, dans un premier temps, sur les salons. C'est encore une précision qu'on peut vous apporter, c'est que pour les jeunes qui visent un BTS ou une formation juste post-bac, APB est ouvert à l'apprentissage et il faut bien s'inscrire sur APB dans les bonnes dates, donc c'est maintenant. Sachant que si vous avez l'intention absolument de faire de l'apprentissage, il faut bien mettre votre vœu apprentissage ou alternance en premier vœu. Et l'assurer ensuite avec des vœux scolaires pour être sûr à la rentrée d'avoir quelque chose, parce que vous n'êtes inscrit au CFA que lorsque vous avez signé votre contrat. Donc, et pareil pour la formation en contrat pro. Donc, il faut assurer derrière la possibilité de, ou l'éventualité de ne pas avoir trouvé de contrat. Alors, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. On a un temps d'échange qui est prévu, donc on est à votre disposition. Sachant qu'on a tout le temps nos services qui sont à votre écoute, si vous voulez donc nous consulter par téléphone. Mais vos questions sont les bienvenues. Oui, il y a un investissement qui est certainement plus important. Oui. Il faut savoir quand même que la plupart des diplômes, si on parle du BTS par exemple, il y a pas mal de mois de stage. Donc ça se récupère aussi un petit peu. Hein. C'est pas, alors c'est vrai que c'est plus dense, mais en même temps, organiser l'alternance, c'est aussi dire il y a des choses qu'on ne peut apprendre qu'en cours, parce que c'est vraiment très théorique, puis il y a d'autres choses qu'on peut apprendre en entreprise. Donc entre le CFA et l'entreprise, on se partage le travail, j'allais dire. Ce qui nous permet de faire ça, c'est le livret d'apprentissage, qui est impératif et qui est mis en place pour toutes les formations d'apprentissage. Vous avez raison, hein, c'est absolument le même diplôme. Hein, il a autant de valeur, et même peut-être plus, puisque les entreprises sont très sensibles au fait que, ayant fait de l'alternance, préparer un diplôme en alternance, le jeune a déjà l'expérience professionnelle. Non, en fait, si vous voulez, le site APB a été aménagé de manière à ce qu'un CFA puisse dire sur une candidature, il dit en attente de contrat. Le jeune, lui, de son côté, il va voir en attente de contrat. Donc, il sait qu'il peut chercher ou se faire aider pour chercher, mais enfin, en tout cas, il est accepté sur le principe. Ensuite, quand on a atteint notre quota de jeunes, parce qu'on aura tous nos contrats, on mettra à refuser. Mais comme sur les vœux suivants sur lesquels le jeune aura dit oui mais, c'est-à-dire après, c'est sûr que le classement est important, hein, parce qu'il faut qu'il réponde oui mais à celui qui l'intéresse quand même. Il aura répondu oui mais à un scolaire, oui, parce que du coup l'apprentissage reste, le oui mais reste aussi jusqu'au 2 septembre. Le 2 septembre, si on n'a pas enregistré de contrat,
c'est le CFA qui est chargé de faire ça, mais en revanche, le jeune doit quand même accepter. Si le jeune n'a pas été proposé pour un contrat au 2 septembre, il est automatiquement envoyé sur son vœu sur lequel il a dit oui, mais en scolaire. Donc, non, c'est pas perdu. Sur le salon d'apprentissage, l'IFIR sera là et on remet des petits flyers sur lesquels on vous illustre bien ce cas de figure. Je ne sais même pas si c'est pas sur le site d'ailleurs. D'autres questions ? Non. Ben, merci de votre attention. Merci à vous. Bonne orientation alors.